Bonjour à toutes, je vous embarque avec moi à l'expo immersive non loin de la gare centrale de René Magritte. Je voulais subir un cours des PMR comme nous, c'est pas très accessible. J'ai même petite anecdote, j'ai pas d'image, mais je vous le dis. J'ai failli tomber avec ma chaise électronique. C'était... J'ai eu la peur de ma vie, je vous assure. C'était une rampe prévue plutôt pour les poussettes. Et pour y aller, j'ai pris le train. Vu que c'était à la gare centrale. Nous commençons la vidéo. Un bien mot. Incite à abandonner l'abstraction et à laisser ses premiers tableaux sur la liste. Elle se constitue officiellement avec le ELT, je ne sais pas c'est quoi, avec Paul Nouguet, André Souris, Camille Gomans et René Magritte. C'est qui l'annonce la plusieurs festivals. Donc en fait, c'est un petit groupe, j'imagine, d'artistes. Louis Kutner qui vient 930. Engagé. La galerie qui représente. Il était impossible de faire un choix parmi ces œuvres, puisqu'ils avaient toutes créé suivant le même objectif, celui d'évoquer le mystère du monde. Mais que veut-il dire par là? Magritte est conscient que pour réaliser l'œuvre, il doit être bien éveillé, mais ne pas laisser interférer dans son processus créatif des sentiments, des idées ou des souvenirs de rêve. Ayant toujours l'image à peindre bien en tête avant de la transposer sur la toile, il réunit objets, paysages, décors architecturaux, êtres humains, animaux, dans un ordre de conscient et réfléchi. Les nettoies de leurs aspects utilitaires, en agissant sur eux. Il use de divers moyens comme l'agrandissement, la décontextualisation, la pétrification. Dans ces tableaux, les objets peuvent perdre leur utilité et les êtres humains leur identité. Reste alors leur poésie. Ils sont simplement là, représentés dans tous leurs détails, au sein d'une composition qui dérange nos habitudes et nous empêche de... Et tu connaissais déjà un peu Magritte, toi? J'ai vu que le dessin, moi, t'as pas mes lèvres. Ouais, c'est ça, moi aussi, je connaissais les trucs de base. Ah, waouh, avec le verre, il vient vers nous. Ouais, c'est ça. C'est bien faire dans la salle comme ça. C'est agréable. Thank you.
Ouais, là je prends une petite vidéo avec tout le monde qui se met en... les préparatifs. Là, si tu vas dans le ciel étoilé. C'est trop beau, c'est pas trop bien. Et en plus, il y a une phrase qui est apparue juste au-dessus de leur tête, c'était... Là, on va reprendre le train. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.